Quand j'étais très petit, enfant, mes parents, enfin mon père, qui était fan de jazz, nous réveillait le dimanche matin, aux alentours de 10h, 11h, avec un morceau de Art Blakey, Jazz Messenger, c'était Morning, donc le dimanche matin, tous les dimanches matins, vers 10h, ta ta di di da da ta, ping, et voilà, et ça nous réveillait, et donc voilà, je suis né avec ça. Pour moi, enfin, c'était, alors je suis aussi clarinettiste. Enfin, je le suis plus là parce que j'en joue plus, mais je l'ai été pendant de nombreuses années. Et ma première vraie claque du coup musicale, quelque chose dont je me souviens qui a été vraiment important pour moi, c'est quand j'ai écouté donc pour la première fois le, ça fait plus solennel, c'est un peu bizarre, mais bon, le concerto d'Aaron Copland pour clarinette en Ah, fait, voilà. yes. Et moi, c'est un morceau qui m'a marqué. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de travailler beaucoup plus ma clarinette. Je me suis dit, ouais, c'est vachement bien. Enfin, voilà. C'était. Voilà, je ne savais pas ce qui s'était passé en moi, mais en tout cas, il s'était vraiment passé un truc fort, quoi. Voilà. Alors moi j'ai pas choisi en fait, que ça soit ni l'accordéon ni la clarinette en fait. Et moi quand j'ai voulu faire de la musique, j'ai dit à mon père que je voulais faire de la musique, il était hyper heureux, lui il en avait fait quand il était jeune. Et je lui ai dit voilà j'aimerais faire de la batterie, et il m'a regardé, il m'a fait non, toi tu vas faire de l'accordéon. Et c'était il y a un peu plus de 20 ans quoi, et j'avais vraiment pas envie de faire ça quoi. Donc c'est petit à petit que j'ai commencé à apprécier l'instrument, mais ça a mis longtemps, quoi. Et même chose avec la clarinette. Un an plus tard, un an après avoir commencé l'accordéon, il m'a dit, bon, tu vas pouvoir faire un deuxième instrument. Je dis, bah, la batterie, c'est cool. Il m'a dit, non, non, tu vas faire de la clarinette. Donc voilà, finalement, il a bien fait de me forcer d'insister, mais c'était pas gagné, quoi. Voilà. Moi, quand j'étais tout gamin, en fait, je jouais un petit peu de flûte à bec parce que mon père jouait de la flûte traversière et donc il avait des flûtes et notamment des flûtes à bec. Donc j'avais appris un petit peu les doigtés de la flûte à bec et quand j'avais l'âge de 7 ans, 8 ans, et lui, il a loué un saxophone pour lui parce qu'il jouait de la flûte et il avait envie d'essayer. Il a loué un saxophone pendant un mois et en fait, moi j'ai essayé aussi et ça marchait un petit peu comme la flûte à bec en fait. Et donc voilà, on avait posé ça sur une chaise et c'était trop haut, c'était comme ça. Et puis j'ai essayé, puis en fait ça m'a plu. Et quand au moment donné où il devait le rendre, j'ai dit mais pourquoi vous le rendez? Il faut le garder, il faut le garder. Et puis bon, ils l'ont gardé, ils l'ont loué, et puis après jusqu'à ce qu'ils en achètent. On a fait un disque en fait, donc qui s'appelle Belle Époque, qui est sorti en 2014. Et en fait, ce disque-là était un souhait en fait de notre producteur, donc de Monsieur Ziggy Lord du label Act Music. Nous, on avait déjà un peu notre répertoire, on était au tout début de notre histoire. Il avait entendu parler comme quoi on jouait en duo et que ça se passait plutôt bien. Et il a eu cette idée en fait de nous dire, oui, j'aimerais que vous fassiez un disque en hommage à Sidney Bechet. Et nous, au départ, ça nous a pas du tout parlé parce qu'on a dit non, mais on connaît pas bien. En fait, voilà, on En connaissait fait, en quelques fait, on tubes. connaissait pas, on connaissait pas trop quoi. Un petit peu, normalement, comme les gens. Et du coup, au départ, en fait, on s'est dit bon, on va écouter du Sidney Bechet pour pouvoir refuser le projet. Parce qu'il fallait avoir des arguments, on pouvait pas dire. Et en fait, on s'est mis pendant plusieurs mois à écouter
du Cygne des Béchettes à fond, à fond, à fond. Et on s'est fait des petits checks comme ça de temps en temps. Et on s'est dit, ah ouais, mais moi j'ai vu ce morceau, je crois que c'est pas mal, ça pourrait bien aller. Il me dit, ah ouais, mais moi aussi j'ai une idée. Et de fil en aiguille, en fait, on a été un peu dans cet univers-là et on a découvert un immense répertoire, en fait. Et donc, voilà, ça s'est adapté un peu à Sidney Bechet, mais après, voilà, on a ouvert à d'autres compositeurs qu'on connaissait plus, comme Duke Ellington, voilà. Et donc voilà, au début, c'était pas notre idée, mais on s'est laissé prendre par la musique. Et donc, finalement, c'était une bonne idée, ouais. Parce qu'on a découvert plein de choses et ça nous a orienté vers une musique qu'on fait aujourd'hui, en fait. Et puis c'est toujours agréable, comme on se connaît bien maintenant et qu'on a pas mal de vécu ensemble, et voilà, que ça soit l'un ou l'autre amène du matériel, ça reste toujours ouvert, et souvent l'autre, enfin celui qui n'a pas écrit, a déjà beaucoup de recul sur ce qui se passe et en fait arrive à dire, ah ouais, mais ça, peut-être qu'on pourrait essayer ça, et d'un coup c'est le truc qui manquait au morceau pour que voilà, ça nous convienne, et il est très bon. Déjà, c'est la première fois, et donc c'est quand même un espèce de festival de ouf, donc de fou quand même, avec des affiches quand même assez incroyables. Et moi, je suis d'autant plus content et d'autant plus rassuré, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours impressionnant d'arriver dans un gros festival comme ça. Et je suis hyper content de faire ça avec Émile, voilà, avec qui justement on a quand même une bonne connexion. Et ouais, toujours impressionnant, voilà, même concert dans l'après-midi, c'est pas un concert qui est si facile que ça. Et puis voilà, le public était là, on a eu de la chance. Enfin voilà, c'est quand même un premier bon souvenir. C'est toujours un passage rapide de toute façon, on est arrivé tout à l'heure. Bon ben on repart demain matin. Mais voilà, on a plein de copains qui ont joué aussi. Enfin voilà, donc on est très content déjà d'avoir pu participer à cette édition, quoi. Exactement, pour les mêmes raisons. Et non, et de faire ça avec Vincent, ça fait longtemps qu'on entend parler de ce festival, ça fait longtemps qu'on a envie d'y jouer. Enfin, puis même, avant d'avoir envie d'y jouer, c'est juste, on sait que c'est un gros festival, et donc on trouve ça super. Et puis un jour, on nous propose de faire un concert ici, et du coup c'est un honneur pour nous d'être là. Enfin, voilà, merci pour cette invitation.